Et salut tout le monde, c'est Kanou. On se retrouve aujourd'hui sur The Guild 3 pour une petite partie solo. On va commencer une nouvelle partie. Cologne, ça me dit rien. Hambourg, par contre, ça me paraît bien en vrai. Hambourg, ça m'a l'air vraiment marrant. Mais je pense que... Oh, oh, oh. Allez, on va aller à Londres. À Londres, en vrai, ça peut se faire. Ça peut être marrant. Hop là, on est parti. On est parti pour Londres. On va partir en tant que barbier. Canou va l'entrée, c'est bon. Événement, paf, comme ça, avec la grosse moumoute. On va se mettre en marron. J'adore mettre toujours ces événements-là. Du coup, j'ai pas besoin de force, j'ai pas besoin de perception, intelligence et dextérité. Et on peut jouer, les amis, on est parti pour, si je me trompe pas, Londres. Parce que j'en ai fait plusieurs, j'étais à Dijon et j'étais à Varsovie aussi. Et du coup là c'est à Londres. Welcome to the Guild 3. Welcome to the Guild 3, yes. Et alors on est parti, barbier. Moi je mets toujours au bain sympa. Alors où on va se mettre? Enfin, juste ici, hein, juste à côté de chez nous. Alors on va se mettre là. Ça peut être pas trop mal, je pense. On est à côté de la maison, on est à côté du puits. Pour quelque chose où c'est vendre du bain, vendre du parfum, il n'y a rien de mieux que être près de l'eau. What's up? Au bas sympa. Ah, je sais pas ce que j'aurais pu mettre. Je sais que quand je joue Herboriste, j'aime bien mettre à la bonne herbe. Ça fait référence... au cannabis. Will do. Mais aucune idée. Aucune idée, on va faire comme ça pour le moment. Je vais accélérer le temps, parce qu'en vrai, je sais pas pourquoi j'attends comme ça. Alors oui, normalement, je dois faire en sorte d'aller chercher une femme. Et j'ai envie d'entendre de monter un peu en grade, pour essayer d'avoir une femme un petit peu plus haut dans les rangs. Du coup, recruter un ouvrier. Bah, je vais me mettre déjà moi, hein, ça c'est sûr. Et recruter un autre ouvrier ici. On va devoir aller chercher du savon. Extension, on achète un ouvrier plus. J'aime bien commencer avec 3 ouvriers. Et on est parti. On va accélérer le temps, hein, forcément. On a un camp de brigands juste à côté de chez nous. Nickel. Ah ça c'est bon ça. Ça c'est vraiment bon. Du coup on part à la cueillette. Qui m'a l'air super loin. Ah oui ça m'a l'air super loin. Donc du coup la cueillette c'est ici. Okay. Pour moi, c'est légal à Londres. On est très loin, en fait. Elle est où, notre ville, à nous? Alors ça, après, c'est compliqué, c'est de retrouver son petit village. Alors, notre petit village est ici, par contre. Mais en vrai, on est pas mal, regardez. On est devant le petit marché. Je pense que ça peut... Il y a le puits, il y a le marché, ça peut fonctionner. Moi, je dis. Déjà, on a remonté un petit peu en dessous, hein. Ok. On gagne un petit peu d'argent. C'est parce qu'à mon avis, les gens, ils achètent notre savon. Ils peuvent acheter notre savon totalement tout de suite. À mon avis, ils le font. Voilà, on a personne qui vient pour le moment. Voilà, vous voyez, il y a des personnes qui vont acheter le savon. Eh, mais ils essayent de faire du mariage devant chez moi. Alors par contre, vous voyez le monde qu'il y a, ça y est les amis, ça monte. C'est intéressant, oula. Ok, ok. Ça prend un bon bain là. C'est qui? Mais c'est monsieur le maire. Gardien du conseil. Eh, on attire du beau monde, on attire du beau monde. Voilà, il y a du monde dans le baquet. Hein. Vous avez déjà fait le savon?
Il n'avait pas fait le savon. Hein. Ça, en fait, je sais pas trop, ça me perturbe à chaque fois un peu. Donc, je laisse comme ça. Vous voyez l'argent qui monte quand même relativement pas mal quand même. Même si c'est pas encore ça, hein, je vais pas vous mentir. Donc je crois que notre savon n'a pas été fait. Et là il y a tellement de monde, on n'a pas le temps d'aller faire du savon. Non, on n'a vraiment pas le temps d'aller faire du savon, c'est un petit peu compliqué là. Ok, on a un employé qui a monté en grade, moi j'ai monté aussi en grade. On va monter en intelligence. Lui, on va monter en dextérité. Bon, au moins c'est bien, on gagne un petit peu, pour le moment c'est cool. Enfin, je les enchaîne. Hein. Et comme vous voyez, là au moins on est passé déjà un petit peu level 2. Voilà, hop. On va acquérir ceci. On est roturier maintenant. Encore un personnage qui est monté en level. Dextérité. Là vous voyez vraiment tout le monde. Là ça va être la nuit, donc il n'y a plus à avoir que mon personnage qui bosse. Parce que la nuit, vos ouvriers ne bossent pas forcément. Non, ne sonnez pas les cloches, trop vite. Oui, il n'y a plus que moi qui bosse. Tout le monde est parti, là. Pour ça qu'il va falloir, quand même falloir qu'il me faut une femme assez rapidement. Ou me prendre un autre ouvrier après, plus tard. Ah merde, j'aurais pu l'appeler au bon bassin. Au bon bassin, parce que vu qu'ils sont dans un bassin, et ça fait référence au bassin. Ça a plus de fun. J'étais con, j'avoue. Regardez ça. Je travaille jour et nuit. Mais en plus, je dois trop rien gagner vu que j'ai pas de savon. Ouais, j'ai pas le savon. Et je suis très loin. Regardez le monde qu'il y a, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, tu m'as fait très très peur. J'ai cru que t'allais me faire péter mon établissement. 2 o'clock in the morning and all is well. J'hésite encore. Hein. Là, j'hésite. Pas vous mentir que j'hésite. Bon, ils reviennent quand, mes ouvriers, là? Oh, y'a que 3 o'clock. Oh, y'a Ro le gros, hein. Y'a le gardien du conseil qui est là. Hein. Ça y est, c'est devenu un client régulier. Ah, ça y est, ils sont arrivés. Ça bosse, ça y est. En tout cas, on peut dire une chose, le gardien du conseil est plutôt propre. Il se lave souvent. Et puis, oh, il y a un cheval et... Pas mal. Au final, tout le monde a laissé tomber mon savon. Regardez, tout le monde qui attend reçoit un traitement, attend un soin ou un service. C'est combien pour une personne en plus? 1200, on gagne pas assez. On gagne largement pas assez. Du coup, c'est assez compliqué en fait d'être tout seul parce que bah ça part pas rapidement. Et comme tout le monde vient chez nous, en fait, il y a personne aussi qui fait des bains autour de chez nous, ouais, voilà. On est un petit peu les seuls, donc bah, après c'est bien. Hein.
On a les stats. C'est bien ça. On va peut-être pouvoir aller faire un peu de savon. Ouais, ça y est, il y en a qui font du savon. On fait du savon, c'est cool. Ça, c'est très important. On a eu quelqu'un qui a monté un level. Enfin, on a quand même des chevaliers qui viennent. Ça, c'est propre. Ah, vous voyez, avec un savon, on gagne 72, alors que sans savon, on gagne 46. Ça, c'est à savoir. Renforcé. Ok. Du coup, l'argent qui monte quand même assez bien. Voilà. On a un ouvrier en plus. Ça va nous permettre de faire en sorte qu'ils vont chercher vraiment le savon. Voilà, là on est tous en train de faire du savon, ça c'est cool. Et comme ça, si moi j'ai vraiment envie de partir à un moment ou à un autre, pour dire d'être tranquille, je peux. Pour moi, j'ai encore 20 ans, donc ça va. Et en plus de ça, ils peuvent vendre des savons. On va quand même remettre une traite de savon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre après? Je pense qu'on va pouvoir mettre des soins, on sait de vendre des soins. You are very unlucky. 1500 pour les frontières aussi, d'accord. 1500, c'est faisable. 1500. Et vous voyez qu'il y a du monde, hein, tout le temps, tout le temps. Je crois qu'il y a vraiment du monde tout le temps aussi. Je regarde un peu, hein. J'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe. Ils ont été cueillir, et il y en a deux qui coupent et qui lavent, d'accord. Ça c'est bien, c'est quand même bien fait, ils arrivent quand même bien à dispatcher ce qu'il faut. Certains qui vont laver, certains qui vont cueillir. Ça c'est cool. Un petit coup de balai, voilà, c'est ça qu'il faut faire. La petite devanture, voilà. 1800. Voilà. C'est un nouveau titre. C'est quoi ça? Un employé atteint un nouveau... Okay. Nouveau professionnel. Il y a toujours plein de monde, on est toujours blindé. Oh, il y a un assistant du conseil. Les informateurs, assistant du conseil, agent du conseil. Tout le monde vient chez nous. Tous les grosses têtes viennent chez nous. Vraiment, on est un petit peu le bain public voilà, des stars. Ça, j'ai envie de vous le dire. Regardez, informateur. Bah, je crois qu'ils sont tous dedans, en fait, maintenant. Ils sont tous dedans. Agent conseil. Oh, ouais. Ah, votre sou, elle est bienvenue. Hein. Faut pas vous mentir. Que... Hop, on acquiert le titre. Et voilà. On gagne en grade, c'est plus important. On a du savon. Je pense qu'on peut tenir la nuit. Je pense qu'on peut tenir la nuit avec le savon. La Clarissa, je sais pas ce qu'elle fait. Ne me prenez pas tout mon savon, s'il vous plaît. J'en ai besoin.
Et vous voyez là, on est déjà passé un peu level 4 dans le rang social, ce qui peut être vraiment cool pour aller chercher une femme un petit peu plus haut rang, j'ai envie de vous dire. Donc on va encore faire une journée comme ça, même si je pense pas que ce sera forcément possible de réussir. Je pense qu'on va aller chercher une femme. On attend que tout ça soit fait et on ira chercher une femme. Et derrière, on fera notre deuxième business. Je pense que ça peut être un bon bail. Là, vous voyez, je suis tout seul. Par contre, vraiment, on attaque tous les, on attire tous les people. Hein. Ça, ça vaut le coup. Il me reste que 11 savons. Je sais pas, ils sont en train de parler devant chez moi. Je sais pas ce qu'ils, me veulent. On a toujours personne autour qui fait des bains, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on veut. Un petit level 4, je dirais pas non. Hein. Un petit level 4, s'il vous plaît. Alors, c'est beaucoup ça au début. On va beaucoup gérer, mais après, ça ira mieux. Là, comme d'hab, c'est le début. On va aller chercher une petite nénette après. Et on va pouvoir aussi augmenter notre bâtiment, hein, je pense. Là, il va falloir. Voilà. Du coup, vu qu'il y a tout le monde qui est là. Citoyenne, roturière, roturière. Ouais, il y a des roturières. Nous, maintenant, on est quand même citoyen, donc on peut aller chercher une citoyenne. Roturière, roturière. Citoyenne, célibataire, citoyenne, célibataire. Elle est jeune en plus. Allez, go. On va aller draguer cette femme. Ok, elle est déjà là en fait. Ok, elle me met un vent. Ok, elle me met un vent. Comme quoi, des fois, la vie est mal faite. Mais pourquoi? Pourquoi me mettre un vent? C'est vraiment chiant, parce qu'on peut vraiment pas aller faire quelqu'un d'autre en attendant. Faut qu'on attende un tout petit peu. Et on est parti. Une châtelaine, vas-y, on va tenter. Vas-y, on va tenter, on va tenter. Oh merde, j'y suis déjà. Ah, ça pourrait être amusant, mais bien sûr que ça peut être amusant, yes. Ma chère colombe. Yes, I'm hurrying. I want you to know that I truly admire you. Flatter me. Ah, après on est quand même avec du 75% à chaque fois. Hein. I have been waiting for you. Écoutez ça, j'ai vu, voilà, je vous ai vu. Ah. Ça, ça l'a blessée au plus profond d'elle-même. Ah, c'est bon, je me suis fait pardonner. Le baiser, ça passe, vous croyez? Ça passe! Ouais, ouais, ouais. Vas-y, on demande à Brunet d'épouser. Oui, elle veut! Tweet, tweet, comment c'est le mariage religieux? Se marier à un certain... Oh, ouais, mariage religieux. Allez, go, on va se marier. Il n'y a pas l'air d'avoir d'église ici, donc c'est où? Ah, là-bas, si, il y a une église. Ça va, on n'est pas loin. On va se marier, oui. Attendez. Not now, please. So be it. Oui.